l'église, shalom, shalom, peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Michel Bolakoufo Boboa, pasteur d'Agapé au Tabernacle dans la ville de Mbandaka, la République démocratique du Congo. Je suis marié à maman Christine Boto Bolakoufo. Avec elle, nous avons 6 enfants, c'est-à-dire 4 filles et 2 garçons. Je suis venu au message depuis l'année 1982. Et en 1984, à Zongo, pour ceux qui connaissent le Grand Équateur, le 17 juillet 1984, c'est la première fois que je puisse monter du haut de la chair pour apporter la parole. 2 semaines après, parce que j'étais en voyage missionnaire, j'ai traversé le RCA à Bangui, la capitale. Là-bas, j'ai trouvé une petite église de 40 de personnes et c'est moi qui conduisais ce peuple-là. Pendant 9 mois, lorsque j'ai appris la mort de mon regretté père, j'étais obligé de retourner à Bouindé, dans l'actuelle province de la Tchouapa, où je suis originaire. Arrivé là-bas, je ne pouvais pas me taire, je ne pouvais pas croiser les bras. Le Seigneur m'a inspiré à commencer une nouvelle œuvre. C'était la toute première fois dans cette localité-là pour que les gens puissent écouter le nom de Branham. Pour la première fois, Frère Branham a dit, c'était la première fois. Et pendant 2 mois, c'est alors que le 11 novembre 1985, la nouvelle église est née, appelée Shalom Tabernacle. J'étais pasteur de cette église pendant 5 ans, juste arrivé en 1990 sous le décret du regretté président Mobutu Sese Seko, paix à son âme. Toutes les églises étaient fermées, les églises des réveils, y compris toutes les églises du message. Alors, 2 mois ou 3 mois après, je ne pouvais pas me contenir parce que je voyais les frères et sœurs commencer à rétrograder. C'est alors que j'ai dû réouvrir l'église. Je me souviens que ce jour-là, ce dimanche-là, j'ai parlé, j'ai prêché sur l'absolu. Et les jours suivants, c'est alors qu'on m'amènera une convocation pour aller à la justice pour ne pas avoir attendu l'autorisation des autorités de pouvoir ouvrir l'église. Quand je suis sorti de la prison 2 semaines après, pour moi c'était un signe que mon séjour ici est terminé. J'étais contraint de retourner en Mbandaka où j'ai grandi, où j'ai rencontré le message. C'était sur avenue Épervier numéro 6, l'actuel El Shaddai en Mbandaka. Et j'étais là dans l'église mère pendant 4 ans. J'ai eu l'approbation des anciens de l'église. C'est encore en 1994 que je serai envoyé en mission à Maïzézé pour conduire le peuple qui était là, à 48 km de la ville de Mbandaka sur le fleuve Congo. J'ai demeuré dans cette église pendant 14 ans. J'ai construit même une église. Mais 14 ans après, je suis retourné en Mbandaka. Le Seigneur m'a encore inspiré de pouvoir commencer une nouvelle église appelée Agapé au Tabernacle, celle qui vient d'être dédicacée aujourd'hui, le 8 août 2021, dans la même ville de Mbandaka. C'est aujourd'hui où la dédicace a eu lieu. Voilà, le Seigneur continue à nous garder, le Seigneur continue à nous soutenir. On a construit le tabernacle avec beaucoup de difficultés. Vous savez tous que la ville de Mbandaka n'a pas d'entreprise, n'a pas d'usine, mais les fils et les filles de Dieu ont eu quand même cette volonté de contribuer à la construction et à la réussite de la dédicace. Au peuple de Dieu, je vous dis grand shalom, que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci.